Donc, il est 20h50, donc on va ouvrir cette séance. Le quorum étant atteint, j'ai deux pouvoirs, donc Dominique Nouaille qui donne pouvoir à moi-même et Jacques Potard qui donne pouvoir à Jean-Claude Désile. Donc, nous avons un absent, mais je pense qu'il va arriver, c'est Philippe Ortebise, et deux autres absents, André Levert et Véronique Quintard. Je vous propose de désigner une secrétaire de séance qui piaffe d'impatience pour ce rôle-là, Chantal. Et je suis sûr que vous êtes tous d'accord pour qu'elle soit secrétaire de séance. Merci, Chantal. Voilà. À l'ordre du jour, je vais vous demander de rajouter une toute petite délibération qui est liée au contexte actuel. Donc, je demande la tenue du huis clos afin de respecter les règles sanitaires. L'article L2121-8 du CGCT précise que les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider sans débat à la majorité absolue des membres présents ou représentés qu'il se réunit à huis clos. Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L2121-16, ces séances peuvent être retransmises par des moyens de communication audiovisuelle et c'est ce que nous faisons ce soir. Pas d'observation, pas de remarques. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Merci. Donc, pour une meilleure qualité du son, pour la retransmission en live, il faudra que chaque interlocuteur soit muni d'un micro. Donc, pour l'instant, vous n'avez pas de chance, il n'y a que moi qui en ai un. Sans micro, il ne pourra pas être entendu par le public en ligne. Il est également demandé que chaque personne prenant la parole se présente avant. Pour ce premier conseil, après l'installation des nouveaux élus, je rappelle les règles en vigueur quant aux interventions en séance. La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demandent. Aucun membre du conseil municipal ne peut parler avant d'avoir demandé la parole et l'avoir obtenue, même s'il est autorisé par un orateur à l'interrompre. Lorsqu'un membre du conseil municipal s'écarte de la question ou trouble l'ordre par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le maire qui peut alors faire application de ses pouvoirs de police de l'Assemblée. Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l'ordre déterminé par le maire. Il peut interrompre l'orateur et l'inviter à conclure très brièvement. Les questions portent sur des sujets d'intérêt local. Elles sont traitées après épuisement des points portés à l'ordre du jour, sous réserve que le texte de ces questions soit parvenu à Monsieur le maire au plus tard 2 jours francs ouvrés avant la séance du conseil municipal. La rédaction des questions devra être la plus claire et succincte possible. En séance, le maire ou le cas échéant, l'élu compétent par délégation, donne lecture de la question orale posée et y apporte réponse. Si l'importance ou la nature des questions orales le justifie, le maire peut décider de les traiter dans le cadre d'une autre séance du conseil municipal, notamment en vue de son examen par les commissions communales intéressées. Les questions orales ne donnent pas lieu à débat. Les conseils municipaux peuvent par ailleurs poser des questions orales en séance auxquelles le maire ou l'adjoint délégué compétent répond directement. Ces questions ne doivent porter que sur des points mineurs ou d'information. Maintenant que tout le monde a compris tout ça, nous allons passer à l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 3 février 2020. Donc, y a-t-il des remarques, des questions? Oui, Cribel. Je voulais tous. Oui? Non, toujours pas. Oui? Alors, je voulais tout simplement remercier. Cribel Bilot, donc tête de liste Ensemble pour Saint-Chéron. Je voulais tout simplement remercier que le fait que vous avez publié sur le site de la mairie l'ordre du jour d'aujourd'hui, donc du conseil municipal. Et on aurait voulu savoir s'il est possible pour les prochaines fois de rappeler l'ordre du jour pour les comptes rendus. En tête de la première page du compte rendu, en gros.
De toute façon, le compte-rendu, il est publié régulièrement. Non, je voulais savoir s'il était possible de Ah, insérer l'ordre du jour dans le compte-rendu. Voilà. Ouais. Petite remarque après. Oui, il faut avoir l'ordre du jour signé déjà. Mais j'ai... Non. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Oui, donc en gros, oui, bon, ça c'est tout à fait possible. Merci. D'autres remarques ? Non, on va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc nous avons 4, 5 abstentions. 5. Rémi ? Monsieur Delinotte, Madame Tresca, Monsieur Hurtaud et Madame Bilot. Ensuite, l'approbation du procès verbal du Conseil municipal du 25 mai 2020. Donc, même chose. Est-ce qu'il y a des remarques ? Alors, j'ai reçu par écrit une question de Saint-Chéron-en-Avant à ce sujet-là. D'une part, le CM du 25 mai 2020 était inaudible sur la chaîne YouTube de la mairie et d'autre part, toutes les mesures barrières n'étaient pas respectées par tous les participants. Saint-Chéron-en-Avant l'avait pressenti au vu du déroulement des dernières élections entaché d'importants manques de mesures sanitaires tant par la liste majoritaire menée par le maire que par certains membres de la liste de Madame Bilot venus voter le 15 mars, se sachant positif au Covid-19 et normalement en quarantaine le 15. Donc, je ne souhaite pas commenter la qualité des questions de M. Levert. Je laisse aux nouveaux élus découvrir par eux-mêmes les réactions peu constructives de M. Levert quand il n'obtient pas les réponses qu'il souhaite entendre. Pour revenir à la retransmission du 25 mai, je reconnais que la diffusion n'était pas audible parfaitement. Je rappelle que c'était une première pour la commune et que ça allait dû être fait avec les moyens techniques et humains existants. Le tout sans compter que chaque interlocuteur portait un masque, ce qui atténue beaucoup le son. Sur le deuxième point, je rappellerai à M. Levert que les mesures sanitaires ont été respectées conformément aux instructions gouvernementales pour la tenue des conseils municipaux. Enfin, le troisième point abordé par M. Levert ne sera pas débattu en séance car il est hors sujet. Donc j'avais une autre question. Pour quelles raisons le CR diffusé ne comporte pas toutes les annexes lues et traitées en séance du CM ? Par exemple, feuille de proclamation des élus, la charte lue en séance, etc. Donc je rappelle à M. Levert que les pièces faisant l'objet d'une diffusion obligatoire ont été transmises, ce qui a été le cas du procès verbal, de la charte, mais également du chapitre 3 du CGCT. Si M. Levert souhaite d'autres documents, il est invité à se rapprocher du secrétariat général pour en obtenir une copie. Nous continuons. Pour quelle raison le maire et ses adjoints s'octroient une majoration de 15% de leurs indemnités alors qu'ils n'exercent plus d'activité au niveau cantonal, émanant d'une période où les cantons avaient eu une certaine consistance, ce qui n'est plus le cas actuellement avec la mise en place des communautés de communes. D'ailleurs, la sénatrice, membre de l'équipe majoritaire, serait bien inspirée de faire clarifier légalement cet héritage du passé, n'ayant plus cours avec l'instauration des communautés de communes. Bref, toujours plus pour les élus majoritaires de Saint-Chéron et toujours moins de sécurité et de services pour les administrés, alors que nous sommes en période de crise économique et sanitaire. Saint-Chéron-en-Avant respecte les règles sanitaires et ne participe pas dans ces conditions déplorables au déroulement des CM comportant plus de 8 à 10 personnes, surtout en période active rouge ou orange de crise sanitaire, comme c'est le cas depuis mars 2020 en Île-de-France. Donc, je ne vais pas faire un roman là-dessus. Je vais simplement préciser que cette question ne relève pas de l'approbation du compte-rendu et elle aurait dû être posée en séance avant le vote de la délibération. Mais M. Levert n'était pas là. Enfin, j'invite M. Levert à lire les décrets et ordonnances parus entre avril et mai, garantissant que les conseils municipaux pouvaient se réunir en présentiel à plus de 10 personnes afin de pouvoir procéder au vote à bulletin secret et ce, sans déroger aux règles sanitaires. S'il n'y a pas d'autres remarques sur ce compte-rendu, je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? 4 abstentions.
Merci. Ensuite, nous allons passer aux pièces signées en vertu de la délégation de pouvoir. Donc, il y en a un certain nombre, comme vous l'avez vu. La 2020-007, de signer un contrat de vente de marchandises professionnelles non revendeur auprès de Eurochamp. Alors, je crois que j'avais une question là-dessus. Oui. Décision numéro 2020-07, contenu et décision à expliciter car le libellé n'entre pas dans les attributions du maire. Bon. Ce que je répondais, c'est que ça répond à une convention entre la mairie et le groupe Auchan qui permet de présenter des bons de commande en caisse pour établissement d'un mandat administratif ultérieur en lieu et place d'un paiement direct. Et cette action rentre dans les délégations du maire. La 008, de signer un contrat de prestation avec M. Mondoloni, musicien mandataire pour la représentation musicale du 12 juin 2020 pour 1 250 €. La 009, de signer un contrat de prestation avec l'association Live One Spectacle pour la représentation musicale du 21 juin 2020 pour un montant de 2 650 € TTC. De signer, alors ces deux-là, je reviendrai après dessus, ça fait partie des décisions, c'était les rencontres musicales qui devaient avoir lieu en juin et qu'on a annulées. Les deux suivantes, la 10 et la 11, concernent l'urbanisme. Donc la 10, de signer le contrat de licence avec la société GFI Progiciel Solutions Territoriales pour le service urbanisme. Et la 11, de signer le contrat de passage d'un hébergement mutualisé à un hébergement dédié avec la société GFI Progiciel Solutions Territoriales pour le service urbanisme. Et ces deux décisions, respectivement, pour un montant de 4 938 € hors taxes sur 3 ans et 2 688 € TTC. La 12, de signer un contrat de prestation avec M. Franck Rennes pour la représentation du 25 avril 2020 pour 350 € TTC. Ça, c'était pour le carnaval des écoles. La 13, de signer un contrat de cession avec la compagnie Manda Lights pour le spectacle du 21 novembre 2020 pour 2 337 € TTC. Et ça, je me tourne vers Martine, c'est pour le marché de Noël. La 14, de signer un contrat de prestation avec l'association NOM Asso pour la représentation musicale du 19 juin 2020 pour 600 €. Donc ça, c'est encore les rencontres musicales. La 15, de signer un contrat d'engagement avec la société Redfish Music Group pour la représentation musicale du 26 juin 2020 pour 600 €. C'était encore les rencontres musicales. De signer un contrat de cession avec la société Covadis Show pour la représentation du 13 octobre 2020 pour 520 € TTC. Et ça, je crois, c'est la semaine bleue. La 17, de signer un contrat de prestation avec Madame Landé, Angelina, pour l'animation du 22 novembre 2020 pour 1 520 € TTC. Ça, c'est pour le marché de Noël. La 18, un contrat d'engagement avec l'association Mulois Vache pour le concert celtique du 14 novembre 2020 pour un montant de 800 €. Et suit la 19 qui annule et remplace la première suite à une erreur de date puisque la vraie date c'est le 29 novembre. Ensuite, la numéro 20, de signer le contrat d'utilisation et d'assistance des logiciels AIGA en mode droit d'utilisation avec AIGA concernant le logiciel enfance. Donc, pour un droit d'utilisation illimité du logiciel, 7 660 €, l'hébergement assistance, 4 282 €, et les frais d'installation, 927 €. La 21, de signer le contrat d'abonnement Orange Business pour le renouvellement de la flotte, donc ça c'est pour les portables. La 22, de signer la convention d'autorisation de travaux, de droit d'usage et de droit de passage pour l'installation d'équipements de communication électronique. Ça, c'est pour la fibre, l'installation de la fibre. La 23, de fixer les tarifs des manifestations communales. Donc, c'est pour un tarif qu'on n'avait pas mis encore dans les billets d'entrée, qui est de 8 €. La 24, l'arrêt de facturation du lundi 16 mars à la reprise des activités du conservatoire suite à la crise sanitaire. Donc, j'ai pris une décision pour arrêter la facturation aux familles, puisqu'il n'y avait plus de cours au conservatoire. Sauf que les cours ont repris après à distance. La 25, la facturation forfaitaire pour le service d'accueil des enfants du personnel nécessaire à la gestion de crise suite à la crise sanitaire. Et on avait fixé ce tarif à 1,15 €, qui est le tarif plancher pour tout le monde.
La 26, la suspension de facturation du marché pendant le confinement suite à la crise sanitaire, c'est la même chose. Les commerçants qui sont venus sur le marché, quand on a pu le rouvrir, ce qui n'a pas été simple, on l'a fait gratuitement. Et la 27, portant modification du fonctionnement de la régie d'avance, fêtes et cérémonies, administration générale. Alors, sur tout ça, j'avais toute une série de questions de Saint-Chéron en avant. La 10 et la 11, donc, qu'on a vu tout à l'heure, ça c'était pour... Merci d'expliquer et de justifier les achats licences et d'hébergement dédiés d'un montant de 4 938 euros plus 2 668 euros effectués auprès de la société GFI des progiciels solutions territoriales. Ces achats onéreux sont destinés aux services urbanisme pour gérer et suivre quelques dizaines de dossiers d'urbanisme par année. Alors je précise quand même que cet investissement, c'est une obligation, puisque tous les actes d'urbanisme seront dématérialisés à compter du 1er janvier 2022. Et ce, quel que soit le nombre de dossiers, et on pourrait rappeler à M. Levert, s'il était là, que le nombre de dossiers traités par le service urbanisme est de l'ordre de 400 par an. Et ensuite, la commune est aussi ville test auprès des services de l'État pour la mise en place de cette dématérialisation des actes. Alors, j'avais une question sur les décisions 8, 9, 12, 13, 14 et 15. Merci de préciser quel spectacle soit annulé, soit reporté compte tenu de la crise sanitaire. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Les rencontres musicales du mois de juin ont été annulées. Donc, c'est ce qui correspond aux 8, à la 8, la 9, la 14 et la 15. La 12, c'est le carnaval qui a été annulé aussi. Et la 13, qui concerne une manifestation du mois de novembre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et à titre d'information aussi, ce que je peux vous dire, c'est que le feu d'artifice du 13 juillet, nous ne l'avons pas annulé. Il sera reporté en fin d'année. J'espère qu'on pourra monter une manifestation que j'aurais tendance à appeler la manifestation de fin de crise. J'espère qu'on en sera là. Et ça fera, à cette occasion-là, on tirera le feu d'artifice. Alors, sur la 20, quels sont les besoins importants à satisfaire nécessitant le logiciel enfance, l'utilisation et l'assistance des progiciels AIGA choisis pour un montant total initial de 7 660,80 € plus 927,36 € auquel s'ajoute un montant de 4 282,80 € chaque année. Donc, en fait, il s'agit d'un changement de logiciel parce que l'ancien logiciel n'était plus maintenu et il n'y avait plus de mise à jour. Donc, il est devenu obsolète. Il fallait donc le remplacer. Sur la 21, une question que je n'ai pas, où je n'ai pas tout compris. Merci SVP de préciser le coût annuel de la signature du maire relative au contrat d'abonnement Orange Business. Alors, ce n'est pas la signature du maire, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le renouvellement, c'est le contrat d'abonnement pour les portables, qui d'ailleurs, il est renouvelable tous les deux ans. En 2019, c'était un montant de 7 118 € et en 2020, on passe à 5 655 €. Voilà pour les décisions. Est-ce qu'il y a des questions, d'autres remarques là-dessus ? Non. Eh bien, nous allons passer à l'ordre du jour, proprement dit. La première délibération, les délégations du conseil municipal au maire. Donc, le conseil municipal a la possibilité de déléguer directement au maire toute ou partie des attributions limitativement énumérées à l'article L2122-22 du CGCT. Ces délégations sont accordées au maire pour la durée de son mandat et entraînent le dessaisissement du conseil municipal qui ne peut plus exercer les compétences qu'il a confiées au maire. Néanmoins, le conseil municipal peut mettre fin à la délégation. Les décisions prises dans le cadre de ces délégations sont signées personnellement par le maire à charge à lui d'en rendre compte au conseil municipal. C'est ce que j'ai fait précédemment. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de donner délégation au maire pour la durée de son mandat dans les domaines suivants mentionnés à l'article L2122-22 du CGCT. 1. D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. 2. De fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics. Et d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal. Ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées.
3 de procéder à la réalisation des emprunts à hauteur de 300 000 euros destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au 3 de l'article L1618-2 et au A de l'article L2221-5-1, sous réserve des dispositions du C de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires. 4. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres en matière de fourniture et de services dont le montant est inférieur à 214 000 euros et en matière de travaux dont le montant est inférieur à 5 350 000 euros, ainsi que toute décision concernant leurs avenants ne dépassant pas une augmentation de 5% lorsque les crédits sont inscrits au budget. 5. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. 6. De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistres y afférentes. 7. De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. 8. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. 9. D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges. 10. De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros. 11. De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts. 12. De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux, domaine, le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. 13. De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. 14. De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. 15. D'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien, selon les dispositions prévues à l'article L211-2 ou au premier alinéa de l'article L213-3 de ce même code. 16. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle lorsque ces actions concernent saisine en demande, en défense ou intervention, y compris en référé et représentation, devant l'ensemble des juridictions de l'ordre administratif, y compris les juridictions spécialisées, tant en première instance qu'en appel ou en cassation, dans le cadre de contentieux, de l'annulation de la responsabilité contractuelle ou non contractuelle, ou de tous autres contentieux, saisines ou affaires nécessitant en demande et en défense de faire valoir les intérêts de la commune. Saisine en demande, en défense ou intervention, y compris en référé et représentation devant l'ensemble des juridictions de l'ordre judiciaire, qu'il s'agisse de juridictions civiles, de juridictions pénales ou de toute autre juridiction spécialisée, tant en première instance qu'en appel ou en cassation, dans le cadre de tout contentieux, saisine ou affaire nécessitant en demande ou en défense de faire valoir les intérêts de la commune et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 euros pour les communes de moins de 50 000 habitants. 17. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux pour chaque sinistre d'un montant maximum de 10 000 euros. 18. De donner en application de l'article L324-1 du Code de l'urbanisme l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. 19. De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L311-4 du Code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement du zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L332-11-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi numéro 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau. 20. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 150 000 euros. 21. D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L214-1-1 du Code de l'urbanisme, au nom de la commune, le droit de préemption défini par l'article L214-1 du même code pour un prix d'acquisition n'excédant pas 90 000 euros.
22. D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L240-1 à L240-3 du Code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles pour un prix maximal d'achat de 200 000 euros du bien à ne pas dépasser. 23. De prendre les décisions mentionnées aux articles L523-4 et L523-5 du Code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. 24. D'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. 26, il y a une erreur sur la note. D'accord. De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subventions. La délégation susvisée étant une délégation générale concernant toute demande de subvention en fonctionnement et en investissement, quelle que soit la nature de l'opération et le montant prévisionnel de la dépense subventionnable. 27. De procéder au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux, uniquement pour les opérations inscrites au budget. 28. D'exercer au nom de la commune le droit prévu au 1 de l'article 10 de la loi numéro 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. Et d'indiquer donc que les délégations consenties en application du 3 du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. Et de décider qu'en cas d'absence ou d'empêchement du maire, ces délégations seront exercées par le premier adjoint, puis dans l'ordre du tableau. Voilà. Y a-t-il des remarques, des questions ? Oui. Oui, Mario Hurtaud pour Ensemble pour Saint-Chéron. Alors effectivement, vous l'avez noté en préambule, le fait d'attribuer un certain nombre de délégations au maire. Il faut bien comprendre que c'est un transfert donc, de pouvoir en direction du maire. Et donc effectivement, pour le bon fonctionnement de... Pour le bon fonctionnement de la mairie, effectivement, pour certaines délégations, ça nous semble totalement justifié. Alors, je ne vais pas toutes les noter, mais par exemple, la huitième reflète bien la manière dont le maire peut fonctionner normalement. Par exemple, pour prononcer la délivrance et la reprise de concession de cimetière, on comprend bien que cette délégation-là lui soit attribuée, il n'y a pas de souci. Maintenant, pour d'autres délégations, alors, j'ai seulement nommé deux, notamment la 3 et la 4, on voit bien que ces délégations-là sont quand même d'un grand pouvoir pour le maire. Et notamment pour ces deux-là, évidemment, le groupe Ensemble pour Saint-Chéron votera contre les délégations au conseil municipal. Alors... Que vous votiez contre, c'est tout à fait votre droit. Ce qui est certain, c'est que la somme qui est mise, pour moi, elle n'a rien d'extraordinaire. Ce qui est certain aussi, c'est qu'il faut fonctionner. Et de toute façon, les emprunts, ils seront déjà vus dans le budget. Donc, ils seront validés par le conseil municipal, de toute façon. Oui, mais il n'y aura pas de débat, notamment. Si, au moment du budget, en conseil municipal. Oui, uniquement au niveau du budget, oui. D'autres remarques ? Bon, je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Donc 4 voix contre. Qui s'abstient ? Merci. Alors je vous promets de ne pas en abuser des délégations. Deuxième point, la création des commissions municipales. Donc l'article L2121-22 du CGCT prévoit la possibilité pour les conseils municipaux de créer en leur sein des commissions municipales destinées à améliorer le fonctionnement du conseil dans le cadre de la préparation des délibérations. Elles sont constituées en règle générale pour la durée du mandat municipal, mais peuvent être créées pour une durée limitée pour l'examen d'une question particulière.
Leur rôle se limite à l'examen préparatoire des affaires et questions qui doivent être soumises au conseil municipal. Ces commissions municipales sont des commissions d'études. Elles émettent de simples avis et peuvent formuler des propositions, mais ne disposent d'aucun pouvoir propre, le conseil municipal étant le seul compétent pour régler par ses délibérations les affaires de la commune. Aucune disposition législative ou réglementaire n'apporte de précision sur l'organisation de leurs travaux. Donc ce que je vous propose ce soir, c'est de créer 10 commissions municipales permanentes. Commission travaux, voirie, entretien du patrimoine, urbanisme, vie associative, affaires jeunesse et scolaires, affaires sociales, communication, culture, animation, finances et commerce. Avez-vous des remarques ou des questions ? Merci. Cécile Tresca, Ensemble pour Saint-Chéron. Donc, du point de vue de notre groupe, il manque une commission. Nous aurions aimé une commission de la vie citoyenne. Donc, cette commission aurait pu s'occuper des conseils de quartier, du conseil des jeunes et de démocratie participative, entre autres. Et deuxième point, quand on nous a soumis la liste des commissions, il existait le comité de pilotage de la ZAC des Champs Carrés qui faisait partie des... qui était la 11e commission de la liste. Or, elle n'est pas proposée là, dans cette liste de commissions. Elle apparaît plus loin au point 12, mais nous ne sommes pas sûrs que ça recouvre exactement le même périmètre. Donc, est-ce que cette commission a disparu ? Alors, la commission n'a pas disparu. Il y a eu une commission qui a été créée au tout début du projet des ZAC, qui s'appelait commission d'aménagement ou de création, si je me souviens bien. Voilà. Et cette commission, à partir du moment où le traité de concession a été signé avec l'aménageur, n'a plus lieu d'être. Par contre, maintenant, nous avons un comité de pilotage qui suit l'évolution du projet de la ZAC. Voilà. Quant à votre commission vie citoyenne, moi, pour moi, la vie citoyenne, ça ne relève pas d'une commission, ça relève de la plupart des commissions, que je prenne le développement durable, la vie associative, affaires jeunesse, scolaire, les affaires sociales, la communication, la culture et les finances aussi, parce que ça en fait partie, voilà, ainsi que les commerces. Donc, pour moi, il n'y a aucune raison de créer une commission supplémentaire. A-t-il d'autres remarques ? Non ? Bien, je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? 4 abstentions. Merci. Donc la délibération suivante, la fixation du nombre de membres des commissions municipales. Donc comme nous l'avons vu, le conseil municipal peut former au cours de chaque séance des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil, soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les 8 jours qui suivent leur nomination ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. La composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale. Donc, ce que je vous propose, c'est de fixer le nombre de membres des commissions municipales permanentes. La commission travaux, entretien du patrimoine, projet, 7 membres. La commission développement durable, 7 membres. La commission urbanisme, 6 membres. La vie associative, 7 membres. La commission affaires jeunesse scolaire, 7 membres. La commission affaires sociales, 7 membres. La commission communication, 6 membres. La commission culture animation, 11 membres. La commission finances, 9 membres. Et la commission commerce, 9 membres. Avez-vous des remarques ? Non ? Je vous propose de passer au vote. Il y en a une ? Ah, excusez-moi. Merci. C'est par rapport au nombre de membres des commissions.
En fait, le calcul de proportionnalité qui est utilisé pour dire combien de membres des groupes d'opposition font partie des commissions dépend du nombre de membres. Enfin, le calcul final dépend du nombre de membres dans des commissions. Et en fait, en utilisant ce calcul, en fait, on s'aperçoit rapidement que toutes les composantes des différents groupes d'opposition ne peuvent pas être représentées dans toutes les commissions. Donc voilà pourquoi nous ne sommes pas d'accord avec le nombre de membres des commissions. Moi, je vous répondrai que vous êtes quand même en minorité par rapport à notre groupe. Ce nombre a été déterminé de façon à ne pas surcharger aussi les élus, parce qu'il y a quand même plusieurs personnes qui sont membres de plusieurs commissions. Après, le calcul, il est fait en respectant la proportionnalité de la composition du conseil municipal. D'autres remarques ? Non ? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? 4 abstentions. Merci. La délibération numéro 4, donc la désignation des membres des commissions municipales. Dans les communes de 1000 habitants et plus, les différentes commissions municipales devront être composées de façon à ce que soit recherchée, dans le respect du principe de représentation proportionnelle, une pondération qui reflète la composition de l'Assemblée municipale. Donc je précise les éléments suivants. Les propositions des participants pour les listes d'opposition ont été reçues par mail le 1er juin pour la liste Ensemble pour Saint-Chéron et le 4 juin pour la liste Saint-Chéron en avant. Chaque participant aux commissions aura à sa charge de communiquer à ses colistiers les documents en lien avec les commissions. Donc nous allons commencer par la commission Travaux, Voirie, Entretien du patrimoine. Donc je rappelle 7 membres. Donc M. Jean-Claude Desilles, M. Jean-Paul Ravaux, M. Vincent Pingot, M. Jean Mesureur, M. Jacques Potard, Mme Dominique Tachat. Et pour le 7e membre, j'ai eu 2 propositions, c'est Mme Cribel-Bilot ou M. André Levert. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais ? Moi, j'aurais tendance à dire on peut voter, mais la liste Saint-Chéron Avenir et Progrès ne participera pas au vote. Donc après, moi, je vous laisse la parole. On va donc maintenir notre volonté que je puisse faire partie de cette commission. Donc dans ce cas-là, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on vote, la majorité vote pour nos candidats et puis l'opposition votera pour les candidats d'opposition, si vous en êtes d'accord. Donc dans ce cas-là, donc les 6 candidats que j'ai proposés, donc on va voter. Je vous propose de voter à main levée parce que si on fait ça à bulletin secret, on va y passer la nuit. Donc je vous propose de voter déjà pour les candidats de la liste Saint-Chéron Avenir et Progrès, ceux que j'ai nommés tout à l'heure. Voilà. Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Après, voilà, vous vous abstenez si vous voulez. Hein. Non, pour nous. Pour nous. Pour les nôtres, vous vous abstenez, a priori. Voilà, voilà. Et ensuite, donc, je suppose que c'est Mme Cribel-Bilot qui se présente. Donc, nous allons faire la même chose. Nous allons voter. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, toute la liste Saint-Chéron Avenir et Progrès. Et donc, ce sera Madame Bilot. La commission développement durable. Donc là, j'ai Monsieur Rémi Boyer, Madame Chantal Yvet, Monsieur Philippe Hortebise, Madame Dominique Noailles, Madame Jocelyne Guidez, Monsieur Jean-Henri Bourlier et Madame Cécile Tresca. Et je n'avais pas d'autres candidats. Donc, on va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ?
à l'unanimité. La commission urbanisme. Madame Dominique Tacha, Monsieur Jean-Paul Raveau, Madame Marie-Christine Gilly, Madame Dominique Noailles, Monsieur Jean-Claude Desilles et Madame Cécile Tresca. Pas de remarques particulières. Qui est contre? Qui s'abstient? Pas d'autres candidats. Adopté à l'unanimité. La commission vie associative. Monsieur Kamel Saada, Monsieur Gino Gradel, Madame Sonia Blanet, Madame Nathalie Courriveau, Madame Brigitte Assetounou, Monsieur Jean-Henri Bourlier. Et là, j'ai deux candidats pour un poste, Monsieur Christian Delinotte ou Madame Véronique Quintard. Donc, je suppose qu'on va faire comme tout à l'heure. Donc, pour les membres de la liste Saint-Chéron Avenir et Progrès, qui est contre, qui s'abstient, 4 abstentions, merci. Et je suppose que la candidature de Monsieur Christian Delinotte, donc qui est contre, qui s'abstient, merci. Regardez pour. Ensuite, la commission Affaires scolaires jeunesse. Donc Monsieur Rémi Boyer, Madame Marie-Christine Gilly, Monsieur Philippe Hurtebise, Madame Nathalie Courriveau, Monsieur Gino Gradel, Madame Céline Poulain et Monsieur Mario Hurteau. Il n'y avait pas d'autres candidats. Donc là, ça va être plus simple. Donc qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. La commission Affaires sociales, Madame Dominique Tacha, Monsieur Jean-Paul Raveau, Monsieur Kamel Saada, Monsieur Vincent Pingot, Madame Jocelyne Guidez, Madame Nathalie Courriveau et Monsieur Christian Delinotte. Et il n'y avait pas d'autres candidats. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La commission communication. Madame Martine Rosen, Madame Chantal Yvet, Madame Béatrice Louisy-Louis, Monsieur Xavier Admela, Madame Sonia Blanet. Et là, j'ai deux candidats pour un poste, Monsieur Mario Hurteau ou Monsieur André Levert. Donc, je suppose que Monsieur Hurteau va maintenir sa candidature. Donc, on va faire la même chose que tout à l'heure. Pour la liste Saint-Chéron Avenir et Progrès, qui est contre, qui s'abstient, 4 abstentions. Et pour l'opposition, donc Monsieur Mario Hurteau, donc qui est contre, qui s'abstient, et donc 4 voix pour Monsieur Hurteau. La commission culture animation, Madame Martine Rosen, Monsieur Kamel Saada, Madame Chantal Yvet, Monsieur Jean-Paul Raveau, Madame Béatrice Louisy-Louis, Monsieur Xavier Admela, Madame Nathalie Courriveau, Madame Céline Poulain, Madame Sonia Blanet et Monsieur André Levert. Il manque un nom. Il y a une place. Ou pas. Obligatoire. Bon, bah, s'il n'y a personne. Cribel. Oui. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ah non, 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 non. Si, mais il y a une place. La commission finances. Madame Brigitte Assetounou, Madame Dominique Tacha, Monsieur Jean-Claude Desilles, Monsieur Rémi Boyer, Monsieur Kamel Saada, Madame Martine Rosen, Monsieur Vincent Pingot. Et là, j'avais deux candidats, Madame Cribel Bilot et Monsieur Mario Hurteau pour la liste Ensemble pour Saint-Chéron. Et j'ai aussi la candidature de Madame Quintard
pour la liste Saint-Chéron en avant. Donc, ce qui me paraît très logique, c'est que tous les groupes soient représentés dans cette commission. Et donc, ce que je voudrais bien, c'est que vous fassiez un choix entre Mme Bilot et M. Hurtaud. C'est toi? OK. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La commission commerce, Madame Dominique Tacha, Monsieur Jean-Henri Bourlier, Madame Dominique Noailles, Monsieur Vincent Pingot, Monsieur Xavier Admela, Monsieur Jean Mesureur, Monsieur Gino Gradel, Monsieur Mario Hurtaud et Madame Véronique Quintard. Donc là, on a juste le nombre, tout va bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, la délibération suivante, c'est la fixation du nombre de membres du conseil d'administration du CCAS. Donc, le nombre de membres est fixé par délibération du conseil municipal. Le conseil d'administration du CCAS est présidé par le maire. Il comprend en nombre égal au maximum 8 membres élus en son sein par le conseil municipal et 8 membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal. Donc, ce que je vous propose, c'est de fixer à 6 le nombre de membres du conseil d'administration. Des remarques, questions ? Oui, je voulais juste dire que pour les points suivants, il y aura quand même un certain nombre de points où vous allez voir que nous allons nous abstenir. Alors, ce n'est pas parce que quelque chose nous gêne forcément, c'est parce qu'on ne maîtrise pas du tout les points qui sont soulevés. On ne connaît pas suffisamment le sujet pour pouvoir prendre une position, donc vous n'y verrez pas d'attaque. C'est juste parce qu'on n'a pas suffisamment d'informations pour pouvoir ne pas s'abstenir. Voilà. Alors, si ça peut vous rassurer, je ne vais pas me vexer pour une abstention. Ce n'est pas mon genre et je vis avec des abstentions depuis plusieurs années déjà. Donc, pas d'autres remarques. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, 4 abstentions. Merci. Le point numéro 6, l'élection des membres du conseil d'administration du CCAS. Donc, comme nous devons désigner les 6 membres, je vous propose une liste, puisque c'est un scrutin de liste. Cette liste comprend Mme Dominique Tacha, M. Kamel Saada, M. Vincent Pingot, Mme Martine Rosen, Mme Nathalie Courriveau et Mme Jocelyne Guidez. Est-ce qu'il y a d'autres listes? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Merci. Le point numéro 7, la désignation d'un conseiller chargé des questions de défense. Alors, ce conseiller a un rôle important puisqu'il sert d'intermédiaire entre la commune et le ministère de la Défense, ou le ministère des Armées maintenant. Et on a régulièrement des échanges. L'armée nous envoie régulièrement des informations. Et c'est vrai qu'il est important d'avoir un conseiller qui soit chargé de cette mission-là. Et donc, je vous propose Mme Guidez, qui est déjà très impliquée dans les questions de défense de par ses fonctions au Sénat. Donc, est-ce qu'il y a des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Merci. Ensuite, la délibération numéro 8, la désignation des délégués au syndicat de l'Orge. Donc, les statuts du syndicat fixent le nombre de délégués titulaires à 2 et le nombre de délégués suppléants à 2 pour la commune de Saint-Chéron. Donc, ces 2 délégués titulaires et suppléants siégeront au comité syndical du syndicat de l'Orge. Donc, ce que je vous propose, c'est de désigner M. Jean-Claude Desilles comme délégué titulaire, Madame Jocelyne Guidez, déléguée suppléante,
Madame Dominique Nouaille, déléguée titulaire, Monsieur Philippe Heurtebise, délégué suppléant. Pas de remarque. Qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Merci. Ensuite, la numéro 9, la désignation des délégués au conseil d'administration du collège, puisque la commune a un membre, un titulaire et un suppléant au conseil d'administration du collège. Donc, ce que je vous propose, c'est moi-même en membre titulaire et M. Boyer en tant que membre suppléant. Pas de remarque. Qui est contre? S'abstient. 4 abstentions. Merci. Et d'ailleurs, à titre d'information, cette semaine, je participerai à une réunion d'une partie du conseil d'administration avec le département et le collège pour l'état d'avancement du dossier de réhabilitation du collège. Ensuite, le point numéro 10, les représentants à l'ASCAE. Donc l'ASCAE que vous connaissez tous, qui est l'association de jumelage de Saint-Chéron, qui est très active, qui d'ailleurs devait partir cette année à la fin du mois en Italie, mais c'est compromis. C'est même reporté à l'année prochaine. Donc ce que je vous propose, c'est de désigner deux représentants. Donc c'est Madame Chantal Yvet et Madame Sonia Blanet. Qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Merci. Ensuite, nous avons un certain nombre de désignations de représentants de la commune au titre des compétences de la CCDH. Donc, ce sont des compétences qui ont été transférées à la CCDH. Et donc, la commune est en représentation, substitution auprès d'autres syndicats. Donc, pour le syndicat de l'Orge, c'est la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est deux titulaires, deux suppléants. Pour le CIREDOM, c'est un titulaire et deux suppléants. Et pour le collège, même chose, puisqu'il y a des représentants qui sont désignés par la CCDH au titre des collèges et lycées. Donc pour le syndicat de l'Orge, je vous propose M. Jean-Claude Desilles comme titulaire, Mme Jocelyne Guidez comme suppléant, Mme Dominique Nouaille comme titulaire et M. Heurtebise comme suppléant. Pour le CIREDOM, moi-même comme titulaire et Mme Guidez comme suppléante et M. Saada comme suppléant. Et pour le collège, moi-même comme titulaire et M. Rémi Boyer comme suppléant. Des remarques? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Merci. La délibération numéro 12, donc c'est la composition du comité de pilotage de la ZAX qui a été abordée tout à l'heure. Donc, je peux vous rappeler que la ville de Saint-Chéron avait confié l'aménagement de la ZAC à CMCIC, Immobilier Aménagement Foncier, par un traité de concession d'aménagement en date du 26 septembre 2017. Et dans le cadre de ces traités de concession, il y a lieu de constituer un comité de pilotage afin de suivre, choisir et valider les différentes étapes et les différents équipements de la ZAC. Et donc, ce que je vous propose, c'est de désigner Madame Dominique Tachat, Madame Jocelyne Guidez, Monsieur Jean-Claude Desilles, Rémi Boyer et moi-même comme membres du comité de pilotage, puisque dans le traité de concession, il est précisé que les membres de ce comité de pilotage sont au nombre de 5. Et ce que je vous propose, c'est de rajouter Madame Assetouneau et Madame Tresca, qui seront comme membres invités et donc qui participeront au comité de pilotage. Parce que si on devait refaire le traité de concession uniquement pour ça, je pense qu'on prendrait un certain retard. On n'a pas besoin de ça pour la ZAC. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, j'avais une question de Saint-Chéron en avant qui n'est pas là. Merci de préciser les principales étapes clés de l'avancée de la ZAC non citées dans les considérants devant l'opacité de ce dossier et les retards jamais évoqués en CM par la responsable du suivi de ce dossier. Donc je rappelle tout d'abord que la délibération d'aujourd'hui, elle est là pour déterminer la composition du comité de pilotage et ne concerne pas les étapes du projet. Et j'indique aussi qu'on ne peut pas parler d'opacité à partir du moment où l'opposition municipale est présente lors des comités de pilotage, ce qui a été le cas aussi par le passé. Et je précise également que le planning prévisionnel de réalisation de la ZAC, bien sûr, il va être réajusté en raison de la crise sanitaire. Ça, je pense que ça paraît évident pour tout le monde. Donc voilà, s'il n'y a pas de remarques, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc pas d'abstention.
Merci. Ensuite, la numéro 13, donc c'est la délibération cadre relative aux droits de formation des élus. Et ça, c'est un sujet qui, à mon avis, est quand même important, puisque pour garantir le bon exercice des fonctions d'élu local, la loi a instauré le principe du droit à la formation des élus locaux, principe prévu dans le Code général des collectivités territoriales. Chaque élu a le droit de bénéficier d'une formation individuelle adaptée à sa fonction, dans le but, bien compris, d'exercer au mieux les compétences qui lui sont dévolues. Donc, ce qu'on vous propose, c'est d'instaurer les conditions nécessaires à l'application du droit à la formation des élus au sein de la collectivité, d'arrêter les grandes orientations du plan de formation des élus selon le document joint en annexe que vous avez eu, de retenir pour dispenser ces formations des organismes agréés par le ministère de l'Intérieur, d'imputer au budget de la ville, au chapitre 65, autres charges de gestion courante, les crédits ouverts à cet effet, et de prendre en charge les frais de formation, de déplacement et d'hébergement des élus, eu égard à la délibération cadre qui le prévoit, et enfin d'annexer chaque année au compte administratif de la ville, conformément à la loi, un tableau récapitulatif des actions de formation des élus, donnant lieu à un débat annuel. Y a-t-il des questions ? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Le point numéro 14. L'approbation du règlement intérieur pour la formation des élus. Donc, considérant qu'il appartient au Conseil municipal de définir les modalités du droit à la formation de ses membres dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, je vous propose d'adopter le règlement intérieur pour la formation de la commune de Saint-Chéron tel qu'il figure dans votre ordre du jour. Et je ne vais pas tout vous lire, parce que je pense que ça va être, vous l'avez déjà lu. Si vous avez des questions auxquelles je peux répondre, je suis preneur. Pas de questions. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Ensuite, le point numéro 15, et je vais pouvoir me reposer un peu, le règlement du Conservatoire municipal de musique. Martine. Martine Rosen, donc chargée de la culture, animation, communication. Donc, il y a eu un petit changement sur le règlement du conservatoire concernant surtout le cours de chant. Il n'y avait pas de précision concernant la durée du cours de chant. Et il n'y a pas eu d'autres modifications. Si, on va parler de la question. Il y a une question mais de Saint-Chéron en avant. Mais j'ai rien compris. Alors, petit a, est-il possible de rappeler en CM le contenu de la délibération numéro 2018 du 17 mai ? Donc, je pense que je ne vois pas laquelle. Mais non, on n'a pas trouvé. Voilà. Petit b, quel est l'objectif d'abroger cette délibération à compter de la présente consultation, alors que la titulaire est bien adaptée à son poste de professeur selon de nombreux élèves ? Donc, si quelqu'un peut m'expliquer à quoi correspond la question et le rapport avec la délibération, je veux bien. Remercions Monsieur Le Vert de bien restipuler ce communiqué. Voilà. Merci. Avez-vous des remarques, des questions ? Non. Bon, je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Ensuite, c'est un point finance, la présentation de l'État 1259 pour l'année 2020. Et là, je vais laisser la parole à Madame Assetouneau. Brigitte Assetouneau, en charge des finances. Donc, nous avions, lors du DOB et du budget en début d'année, voté les taux. Mais nous n'avons pas pu appliquer l'état 1259 avec donc les bases et donc le montant de nos taxes. Nous l'avons reçu pendant le confinement et donc là nous passons simplement la partie donc taxes foncières
bâtie et taxe foncière non bâtie, puisque, comme vous le savez, la taxe d'habitation est en phase de s'arrêter définitivement et donc elle ne fait plus partie de nos décisions communes, puisque c'est joli. Donc sur ce 1259, vous avez tous essayé de déchiffrer. Vous avez donc la partie pour laquelle on ne peut rien changer, la taxe d'habitation. On aura donc un produit de 1 196 398. Et par contre, pour la petite taxe foncière, nous avons eu alors un taux qui est resté à l'identique, un 17,36. Par contre, nous avons eu en base d'imposition un complément, ce qui fait qu'on aura un produit à taux constant de 1 235 511. Et sur la taxe foncière non bâtie, on aura un produit complémentaire de 22 529. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc on avait prévu dans le débat d'orientation pas d'augmentation sur les bases d'après le gouvernement. Or là on a eu 1,48 sur la taxe d'habitation et 1,47 sur les taxes foncières bâties et 0,58 sur les bases de cette taxe foncière non bâtie. Tout ce que j'ai à vous dire au niveau de, cette taxe. Donc au global, nous, on va mettre en produit prévisionnel 2020 sur ces deux taxes foncières bâties et non bâties, 1,258,040. Y a-t-il des questions sur ces taxes foncières? Je te laisse la parole. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Merci. Alors, la délibération numéro 17, les frais d'écolage. Comme vous voulez. Brigitte? Donc, les frais d'écolage. Comme vous le savez, lorsque des communes extérieures nous envoient des enfants, il y a un tarif de frais d'écolage qui se calcule sur le budget réel de N-1, donc, de la commune. Donc, pour l'année, à compter du 1er septembre, donc, les frais d'écolage s'élèveront pour l'élémentaire à 380,30 € et pour la maternelle à 852,05 €. Donc, je rappelle, basé sur la réalité de notre budget 2019. Donc. On passe au vote. Y a-t-il des questions d'abord? Oui. Merci beaucoup. Nous souhaitons savoir combien d'élèves sont concernés. Alors, l'année dernière, donc 2019, Saint-Chéronnais sont scolarisés en dehors de Saint-Chéron, et combien d'or Saint-Chéron? Alors moi, la seule réponse que je peux t'apporter, c'est que des extérieurs qui viennent sur Saint-Chéron, il n'y en a eu aucun. Okay. Pour 2020, on n'a pas encore la totalité des effectifs. Par contre, l'inverse, là, il faudrait voir avec le scolaire, parce que je ne suis pas du tout... Donc on se renseignera, mais je ne sais pas combien d'enfants de Saint-Chéron vont vers l'extérieur. Ça, je n'ai pas la statistique. Hein. Non, je sais que extérieur vers Saint-Chéron, pour l'instant, on n'a eu personne. Okay. Et 2020, on attend les inscriptions. 4 à 5. Oui, 4-5, pas plus. D'accord, 4 à 5. D'accord. Et le montant, il est annuel? Oui. Oui, oui, oui. D'accord. Oui, pour l'année scolaire. Pour l'année. Ok, très bien. Et en fait, on n'a pas changé de tarif. C'est constant par rapport à... Il n'y a pas d'augmentation. En fait, c'est uniquement en raison de la formulation de la délibération, puisque la délibération avait été votée pour l'année. On a des pouillèmes, puisque c'est quand même sur le réel. Hein. Donc on a des pouillèmes. Et là, on avait ce qu'il fallait surtout, c'est reprendre une délibération, puisqu'on avait donné une durée d'un an pour l'année scolaire, donc il fallait le refaire. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc 4 abstentions. Merci. La numéro 18, les tarifs périscolaires. Alors, je vais continuer, puisque voilà.
Donc en fait, c'est pareil, les tarifs, là, ils sont reconduits à l'identique, mais on est obligé de le voter puisque c'est à chaque fois, c'est pour l'année scolaire. Donc les tarifs ont été reportés pour garderie périscolaire et post-scolaire. Ça va de 0,76 pour les quotients de 228 euros jusqu'à 3,57 pour les quotients de 990 euros, 0,1 centime et plus. Et pour les communes extérieures, 8,15 €. Y a-t-il des questions sur ces tarifs qui sont donc à l'identique pour 2020 et 2019 ? 2019-2020 et 2020-2021, pardon, puisque c'est année scolaire. S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? 4 abstentions. Merci. Le point numéro 14, création d'emplois non permanents pour un accroissement saisonnier d'activité. 19, il faut que j'ai la fatigue. Donc, nous avons besoin de créer 2 postes d'adjoints techniques saisonniers pour pallier à l'accroissement du travail au service des espaces verts pendant les mois de juin, juillet et août. Donc ça, c'est traditionnel. Tous les ans, c'est ce que nous faisons. Je peux même vous dire que nous avons un agent qui a déjà commencé ce matin ou qui commence demain. Donc on vous propose de créer 2 emplois non permanents d'adjoint technique pour l'accroissement saisonnier d'activité à raison de 35 heures hebdomadaires du 1er juin au 31 août. Ces recrutements seront effectués sur la base de l'article 3, deuxièmement, de la loi numéro 84-53, accroissement saisonnier d'activité. Et la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d'adjoint technique. Et les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er juin 2020. Et bien sûr, les dépenses seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget. Avez-vous des questions ou des remarques ? Oui, une question. Sauf erreur de ma part, sur le site de la mairie, les emplois sont proposés pour juillet-août, pas pour juin, juillet-août. Alors, sur le site de la mairie, c'est fort possible que ça ait été marqué juillet-août, parce que c'est principalement, la période, c'est principalement juillet-août. En étant sur le mois de juin, parce que là, on a déjà trouvé quelqu'un qui avait un profil intéressant et qui correspondait justement. C'est pour ça que ça permet de moduler et aussi en fonction de l'activité. Le problème des espaces verts, on savait très bien qu'à des années, on est en phase de sécheresse et l'herbe ne pousse pas ou très peu. Et puis d'autres années, c'est complètement différent. Donc on essaye de moduler en fonction de ça pour répondre aux besoins. D'autres questions ? Non. On va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Le point numéro 20, le plan de formation 2020-2022. Donc ça, c'est le plan de formation du personnel. Et l'article 164 de la loi numéro 2017-86 du 27 janvier 2017 fait désormais l'obligation d'informer le conseil municipal du plan de formation du personnel. Ce plan de formation est établi chaque année. Les formations prennent en compte le souhait des agents et les demandes des responsables de service. Il est validé par le comité technique où siègent des représentants du personnel. En pièce jointe, vous avez le plan de formation. Ce que je voudrais préciser là-dessus, parce que c'est un sujet important, mais on a souvent du mal à faire avancer cette formation. Deux raisons. D'abord, les organismes de formation sont souvent surchargés et on a du mal à avoir des places pour nos agents. Et deuxième point, nous avons aussi des difficultés pour envoyer certains de nos agents en formation, puisque les formations se trouvent à des distances très importantes et donc avec des moyens de déplacement qui sont parfois compliqués pour nos agents. Donc on essaye de trouver des solutions, mais ce n'est pas toujours facile. Donc je vous propose de prendre acte du plan de formation pluriannuel 2020-2022 pour le personnel. Des questions ? Des remarques ? Non. On va passer au vote. Ah oui, c'est pour acte. D'accord, c'est vrai. Merci Rémi. Le point numéro 21, la mise à disposition du personnel communal au CIAS. Dominique.
Donc Dominique Tacha, chargée des affaires sociales. Donc là, avant de vous parler de la délibération, je voudrais, pour les nouveaux arrivants, en fait, parler un peu de ce qu'est le CCAS et ce qu'est le CIAS. Hein, donc, parce qu'il est important un peu de préciser les points qui divergent entre ces deux associations, ces deux centres. Donc d'abord le CCAS, hein, donc vous avez tous déjà entendu parler du CCAS. Donc le CCAS est le Centre communal d'action sociale de la commune. Et une des actions principales de ce CCAS est d'aider le Saint-Chéronnais lorsqu'il rencontre des difficultés financières. Donc dans ce cadre, alors, donc, le CCAS propose différentes aides. Donc je parlerai principalement des aides alimentaires, hein, dans le cadre de bons alimentaires ou de colis alimentaires. Il y a aussi des aides financières lorsqu'il y a des problèmes de factures, donc factures de cantine par exemple, mais il y a aussi donc des factures d'électricité, d'eau, de gaz. Et donc là, nous pouvons proposer des tickets énergie. Et il y a aussi, donc, au moment de la rentrée scolaire, donc, il y a, le CCAS propose une allocation aux familles selon un quotient familial. Alors, par contre, alors, donc, là, ce qui va diverger, c'est au niveau du CIAS. Alors, le CIAS, c'est le Centre intercommunal d'action sociale. Il est géré par la CCDH. Et donc, lui a en charge les aides départementales. Et donc, l'agent qui travaille pour le CIAS a pour rôle d'aider l'administré à constituer des dossiers de demande d'aide auprès du département. Alors, quels sont les dossiers, hein, qui sont concernés dans le cadre du CIAS ? Donc, vous allez avoir les dossiers d'aide sociale légale, donc pour une entrée, par exemple, dans un EHPAD ou dans un établissement pour handicapés. Il y a aussi donc des dossiers de FSE. Alors, FSE, Fonds Solidarité Énergie, donc là, pour des dettes d'électricité, de gaz ou d'eau. Il y a aussi les dossiers pour avoir le pass améthyste, les dossiers pour avoir la téléassistance, hein, parce que la téléassistance est offerte par le département, mais vous avez aussi donc les dossiers ACS, alors ACS pour aide complémentaire santé, qui vient en complément de la CMU. Et vous avez aussi le CIAS qui va s'occuper du portage des repas pour nos anciens. Et donc jusqu'à maintenant, donc vous aviez en fait toutes ces actions étaient réalisées au sein même de la CCDH, avec cependant donc une permanence en mairie. Cette permanence avait lieu deux fois par semaine, donc le mardi après-midi et le jeudi matin. Et l'agent du CIAS qui intervenait donc lors de ces deux permanences, va être absente pendant plusieurs mois, donc pour congé parental, non pas congé parental, mais congé de maternité. Parental, on verra après. Et donc, pour pouvoir conserver le service offert à la population, donc je vous propose de signer une convention avec le CIAS, avec une mise à disposition de notre agent qui travaille dans notre CCAS. Cette mise à disposition concernerait un total de 4 heures, donc en fait une demi-journée, donc 3 heures pour la constitution des dossiers et 1 heure pour le suivi des dossiers. Y a-t-il des questions ? Comment ? Non, actuellement, non, on n'a plus de. Actuellement, il n'y a que les agents du CIAS qui interviennent. Ça, c'était avant. Il y a quelques temps de cela, on avait en fait un agent communal qui avait une part de ses heures en CIAS et une part de ses heures en CCAS. Tandis que là, c'est notre agent CCAS qui va être loué. Loué au CIAS. Voilà. Y a-t-il des questions ? Bon, s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Eh bien, l'ordre du jour est terminé. Nous allons passer aux questions diverses. On est un certain nombre. Question de Saint-Chéron en avant. Les documents et la convocation du CM du 8 juin 2020 n'ont été envoyés que le 2 juin 2020 après-midi. Par conséquent, le CM du 8 juin 2020 n'a pas été légalement convoqué, comme écrit sur de nombreux documents joints, et ce, en non-conformité avec le dernier règlement du CM voté sous la précédente mandature, et toujours en vigueur à ma connaissance.
Donc je rappelle à Monsieur Levert, s'il nous regarde sur la chaîne YouTube, qu'un délai en jour franc, c'est exclure le jour de départ et le jour de l'échéance. De ce fait, un envoi le 2 juin pour un conseil le 8 juin. Les 5 jours francs réglementaires sont respectés. De plus, je tiens également à rappeler que dans le cadre du conseil d'élection du maire, ce délai peut être ramené à 3 jours francs et n'a donc aucun vice de forme. Autre question, est-il possible au maire d'ajouter à l'ordre du jour du présent CM pour décision l'introduction d'une tribune libre dans chaque numéro du bref, comme déjà demandé lors de la précédente mandature, et ce, en conformité avec les dispositions légales actuelles et rappelées par le tribunal administratif de Versailles le 4 juin 2020 dernier dans sa décision. Cette demande est justifiée par l'existence d'une tribune libre dans la majorité des bulletins municipaux des communes voisines, en lieu et place d'une tribune semestrielle actuellement, afin d'une part de prendre en compte les droits à communiquer des listes d'opposition représentées au sein du CM et d'autre part de respecter les dispositions légales en vigueur. Alors j'indique tout d'abord que l'audience du tribunal administratif du jeudi 4 juin dernier ne vaut pas décision. Il faut pour cela attendre le délibéré du juge et non pas les dires du rapporteur public. Enfin, la rédaction des tribunes fera l'objet du travail de la commission communication pour une délibération au plus vite et quoi qu'il en soit dans les 6 mois après l'élection du maire, conformément au CGCT. Néanmoins, ce que je propose déjà aux listes d'opposition, c'est de préparer une tribune pour le bref de juillet-août, mais également pour celui de septembre-octobre, selon les conditions du règlement intérieur en vigueur à ce jour. Autre question. Saint-Chéron en avant demande au maire de négocier le prix du mètre cube d'eau à la baisse. Il a augmenté de plus de 30% depuis un an sans la moindre action connue du maire qui ne s'est pas saisi du dossier et qui concerne tous les administrés. Je vais demander à Monsieur Désil de répondre. Merci. Donc Jean-Claude Désil. Donc je tiens à préciser que l'augmentation de 30% est erronée. En effet, depuis un an, donc de janvier à janvier, nous avons l'évolution suivante. Évolution de la part d'eau par eau, 15,9%. Évolution de la part assainissement de 6,19%. Et au final, une facture en hausse de 11,5%. De plus, la commune s'est investie dans les différentes démarches concernant la part eau, puisque la part assainissement ne dépend pas de la mairie. Pour cela, la délégation de services publics a été remise en concurrence après 12 ans et une négociation des prix a été réalisée par la commune, aidée par un bureau d'études afin de maintenir toute augmentation. Monsieur Levert ne peut donc pas dire que la mairie n'a rien fait, comme cela lui a été déjà répondu à plusieurs reprises. Alors, une autre question. Saint-Chéron en avant souhaite connaître le planning du nettoyage des ruelles et des chemins piétonniers de la commune. En effet, ces ruelles et chemins piétonniers sont trop souvent impraticables et manquent d'entretien par le service technique de la commune. Jean-Claude. Bon, tout d'abord, le planning des services n'a pas à être présenté au conseil, mais ce planning comprend bien un entretien périodique des centres et des ruelles. Malheureusement, ce planning a été bouleversé par différents aléas, et en particulier la crise sanitaire pour les derniers mois. Autre question, le maire a-t-il connaissance de la liste des personnes qui ont un accès libre à la mairie, même en dehors des heures d'ouverture ? Alors je confirme que je suis au courant de la liste des personnes qui ont accès à la mairie, puisque c'est moi qui valide cette liste. Ensuite, le maire a-t-il connaissance de la liste des personnes autres que les personnels de la mairie et conseillers qui peuvent se servir des photocopieuses de la mairie, notamment en période électorale pour son dernier tract et la création de son comité de soutien ? Alors, je suis au courant, en effet, qu'il y a des gens qui ont accès aux photocopieurs de la mairie, parce qu'il y a une liste des personnes extérieures qui est tenue à jour. Puis concernant les autres propos de Monsieur Levert, ça relève de la calomnie. Les documents de liste Saint-Chéron, Avenir et Progrès qui ont été édités pendant la campagne, ils n'ont pas été faits en mairie et je pourrai en apporter la preuve s'il y a besoin. Autre question. Saint-Chéron en avant sollicite une nouvelle fois le maire. Quelles sont les actions et plannings prévus pour obtenir la poursuite d'un sérieux élagage de la départementale 116 entre Saint-Chéron et le hameau de la Petite-Beauce ?
Pour mémoire, cette demande est justifiée par le fait que régulièrement des arbres tombent sur cette route et chemin piétonnier emprunté par les enfants du hameau et suite à la chute d'un chêne il y a quelques semaines et dont les conséquences auraient pu être dramatiques. Depuis cette chute, les barrières de sécurité n'ont fait l'objet d'aucune mesure de réparation par les services ad hoc. Jean-Claude, je te laisse répondre. Oui, volontiers. Alors tout d'abord, en fait, ce n'est pas la D116 qui passe la petite Beauce, mais la D132. Ensuite, les bois qui sont attenants à cette départementale sont des bois privés. Donc des relances ont déjà été faites à plusieurs reprises aux propriétaires pour l'entretien de leurs parcelles. Et donc cet entretien a déjà été fait dans toute la partie urbanisée du hameau. Enfin, donc la route départementale en question avec la chute du fameux chêne. Donc l'entretien revient aux services départementaux. La barrière de sécurité ou la remise en état de la barrière de sécurité est à leur charge et ils ont déjà été relancés sur ce sujet. Pour compléter, comme nous sommes au début du mandat, que la question concernant l'élagage des arbres sur la route de la Petite Beauce, je l'entends à chaque conseil municipal depuis que je suis maire. Donc je préviens tout de suite Monsieur Le Vert que nous y avons répondu aujourd'hui et que maintenant nous n'y répondrons plus tant qu'il n'y aura rien de nouveau. Autre question. Pour information, certains hameaux, tels par exemple la Petite Beauce, n'ont reçu aucun courrier entre le 20 mai et le 2 juin 2020, sans compter la fermeture de la poste. Saint-Chéron en avant demande quelles sont les actions engagées par le maire et au besoin la sénatrice auprès des autorités concernées devant cette absence totale des services postaux à Saint-Chéron. La crise sanitaire ne peut pas tout expliquer des absences totales de services postaux. Et alors, Ensemble pour Saint-Chéron m'a envoyé une question qui est du même ordre. Certains quartiers se plaignent d'une distribution du courrier assez sporadique. La question de la fermeture de la poste est-elle toujours d'actualité? Quelle est la marge de manœuvre de la mairie sur la question de la poste? Alors, le problème, c'est que la marge de manœuvre de la mairie elle est très limitée. Ce que je rappelle, c'est quand même que nous avons fait différentes interventions précédemment. Il y a des sollicitations qui sont faites régulièrement par Madame les sénatrices et moi-même auprès des services de la Poste. Malheureusement, on n'a pas beaucoup d'avancées. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le contrat de présence postale qui s'est terminé fin 2019 a été renouvelé. Un nouveau contrat qui a été signé le 5 février 2020. Avec l'AMF et le gouvernement. Et il y a quand même une évolution importante, je ne l'ai pas lu complètement encore, mais ce nouveau contrat prévoit entre autres la consultation des maires pour les éventuelles modifications du service postal. Il est précisé dans le texte le maintien des règles de dialogue territorial adapté en réaffirmant notamment la place centrale du maire dans le dialogue et une information plus large des élus. Donc c'est mon côté optimiste ce soir. Je pense qu'on pourra discuter avec la Poste. Alors ce qui est vrai aussi, il y a eu la crise sanitaire, ça c'est évident. La Poste avait déjà de gros problèmes d'effectifs. Je rappellerai actuellement, il y a une étude qui est sortie, c'est tout récent, parce que moi je l'ai vu en fin de semaine dernière, que parmi les entreprises qui recrutent en ce moment ou qui essayent de recruter, la Poste est une des plus importantes. Actuellement, la Poste essaye de recruter de l'ordre de 2000 personnes. Donc c'est vrai qu'il y a un gros problème de distribution du courrier, un problème de recrutement de facteurs. C'est une réalité et ça, malheureusement, je ne peux pas y faire grand-chose. Vas-y. Oui, comme Jean, ça marche, oui. Comme Jean-Marie vous l'a dit, je suis intervenue quand même plusieurs fois à ce sujet, puisque nous avons quand même une correspondante, Jean-Marie, qui nous est donc attribuée, ce qui nous permet quand même d'avoir pratiquement moi, toutes les semaines des relations avec cette personne, c'est-à-dire qu'on se téléphone et elle me dit où ça en est. C'est vrai que ce qui a été catastrophique aujourd'hui, c'est plus le personnel, puisque comme vous l'a dit Jean-Marie, il manque énormément de personnel. Plus les syndicats, quand même, qui au début, Jean-Marie, il faut quand même le dire, ont fait aussi, je dirais, une force quand même assez importante pour que le personnel ne soit pas dans un retour, en tous les cas, au travail. Nous avons pu quand même négocier, je dirais, au début mai,
pour que Saint-Chéron puisse au moins aller sur Broyé, puisque au début, c'était même pas ça. Il devait aller sur Étampes, voire Arpajon. Mais nous avons quand même pu négocier au moins que les gens de Saint-Chéron puissent aller sur Broyé. C'était quand même bien moins loin. Et même si cela vous semble peu, aujourd'hui, à l'ouverture quand même, au moins de une fois par semaine sur Saint-Chéron. Hein. Donc voilà, ça a été deux fois par semaine sur Saint-Chéron, mais ils ont vite fermé par manque de personnel. Donc voilà, donc nous sommes quand même toujours en tous les cas pour parler avec la Poste, il faut quand même le savoir, et que c'est pas si évident que ça. Voilà, la seule chose qu'on a pu en tous les cas obtenir, c'est que Saint-Chéron puisse aller sur Broyé et qu'au moins une fois par semaine, Saint-Chéron soit ouvert. Voilà, merci. Et alors, je crois, d'après les dernières infos que j'ai eues, que dans les semaines à venir, le bureau de poste de Saint-Chéron sera ouvert 2 jours par semaine. Et cette année, il n'y aurait pas de fermeture estivale comme il y a eu l'année dernière. Ensuite, autre question. Saint-Chéron en avant signale également les coupures de service Internet semaine numéro 22 à la Petite Beauce et demande que le planning actualisé de l'arrivée des services de la fibre optique sur le territoire de la commune soit précisé lors du présent CM par le maire. Et alors, j'avais une question aussi d'Ensemble pour Saint-Chéron. Installation de la fibre optique sur Saint-Chéron. Pourquoi les Saint-Chéronnais n'ont pas été alertés de l'intervention, sachant que des coupures de réseau Internet ont été observées durant cette opération? Certains foyers en centre-ville sont sans réseau depuis plusieurs jours. La mairie étant forcément au courant, la moindre des choses serait d'informer sur les coupures pour que les personnes en télétravail puissent s'organiser. Alors, moi, ce que je précise, c'est que les coupures Internet ne sont pas forcément dues à l'installation de la fibre. Ça, c'est une chose. Je ne dis pas qu'il peut y en avoir. Il ne peut pas y en avoir. Quant au planning de la fibre, de toute façon, je n'ai pas le planning détaillé au jour le jour. Actuellement, ce qui était prévu, c'était fin 2020. Je pense qu'on y serait au début 2021. Donc après, ce qu'il faut pour avoir d'autres informations, il suffit d'aller sur le site du syndicat Essonne Numérique qui dirige. Par contre, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre le rapport entre l'installation de la fibre et les coupures du réseau. Mais les coupures de réseau, je confirme, c'est une réalité. Et sans forcément l'installation de la fibre. Après, à suivre. Ensuite, j'avais une autre question. Ensemble pour Saint-Chéron. Pouvez-vous nous communiquer le nombre de Saint-Chéronnais qui ont été diagnostiqués positifs au virus, hospitalisés, en réanimation, décédés? Non, je ne peux pas parce que l'ARS ne m'envoie pas les chiffres. Et alors, j'avais une dernière question de Saint-Chéron en avant. Saint-Chéron en avant demande au maire de justifier la mise en fonctionnement actuelle de la fontaine en pleine crise sanitaire Covid-19, avec les risques de générer des fines gouttelettes d'eau propagées par le vent et donc susceptibles de propager le virus auprès des personnes empruntant ce carrefour pour se rendre dans les commerces à proximité. Alors, je n'ai aucune information là-dessus. Pour moi, il n'y a pas de contre-indication sanitaire au fonctionnement de la fontaine. L'eau, elle est issue du circuit d'eau potable. Elle est utilisée en circuit fermé et il y a un traitement UV. Donc voilà, après. Nous avons terminé. Le prochain conseil, ça je vous donne la date, le 29 juin à 20h45. Par contre, ce qui est important, c'est que ce conseil se tiendra en visioconférence. Donc, on vous proposera quelques jours avant une réunion test pour valider le fonctionnement avec chacun des élus. Et par mail, on vous enverra avant, bien sûr, les modalités avant. Autre point, nous avons désigné des commissions ce soir. Donc, le délai est très court pour réunir les commissions. Donc, nous avons fixé des dates. Vous aurez les convocations par mail demain. Alors, la commission travaux, le 11 juin à 16h. Développement durable, le 15 juin à 19h. Commission urbanisme, le 15 juin à 17h. Commission vie associative, le 11 juin à 19h30. La commission affaires scolaires, le 15 juin à 19h45. La commission affaires sociales,
le 11 juin à 18h. La commission finance le 15 juin à 18h. La commission commerce le 11 juin à 18h30. La commission communication le 16 juin à 18h. Et la commission culture animation le 15 juin à 20h. Alors, ces premières réunions de commission, ça sera surtout pour présenter à tous les élus, déjà d'abord désigner un vice-président, mais ça, c'est facile, vous le savez déjà. Mais c'est surtout expliquer principalement aux nouveaux élus le rôle de la commission et le rôle des élus dans la commission. Voilà. Donc, il est 22h20. Je vais donc clore la séance du conseil municipal. Merci à vous. Bonne soirée.